Coucou. Bonjour, c'est Demago, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons nous attarder sur un jeu sur mobile. Alors, c'est vrai, les jeux mobiles, c'est vrai, c'est controverse entre les consoles, les PC. Bien sûr, les consoles et les PC s'associent quand on parle de jeux mobiles. Mais ici, on va parler d'un jeu Crash Bandicoot, sorti la semaine dernière. Oui, je fais un peu en retard. En fin de compte, je voulais faire durant mon précédente vidéo Crash Bandicoot. Mais voilà, la vidéo était tournée et montée. Et je me dis, bah, je vais pas refaire une nouvelle vidéo. Donc, on va s'attarder sur un jeu de King. Sorti uniquement en Malaisie actuellement, il s'agit de Crash Bandicoot Mobile. Voilà, si vous voulez télécharger le jeu, le lien est dans la description. Il faudra télécharger APK Pure, qui est d'une source inconnue, qui est dans la description, bien sûr. Alors, c'est pas été officiel par Google Play, c'est un concurrent, entre guillemets. Donc, vous allez devoir l'installer pour d'une source inconnue. Et une fois que vous avez installé la source inconnue, vous avez téléchargé également le Crash Bandicoot qui est en dessous, et vous l'ouvrez avec APK Pure, et vous avez votre Crash, et vous pouvez jouer. Voilà, le tout est dans la description, c'est gratuit, je vous l'offre, c'est parti, on passe au gameplay. Alors bien sûr, on va jouer à un jeu qui est fait par King. Alors pour ceux qui connaissent King, hein, Paper Saga, machin, je sais pas quoi, Candy Crush Saga, voilà, c'est le plus connu. Bien sûr, j'ai Pogona qui est sur mon épaule. Donc il se passe là, je sais pas, il est parti où. Il est toujours là, c'est bon. Non, parce que j'ai il y a du soleil et tout, on en profite. Bien sûr, on va jouer à Crash Bandicoot Mobile, comme je l'ai dit. Voilà. Alors, nous sommes sur... Bah oui, c'était petit document animalier, voilà, petit moment animalier, bien sûr. Alors pour ceux qui n'aiment pas, bien sûr, c'est très gentil ces détails-là, voilà, comme je le dis à chaque fois. Voilà, nous sommes sur l'île de Crash, voilà, la petite interview. Et nous allons voir les petits personnages. Alors franchement, il y a Coco qui nous dit coucou, enfin qui nous regarde. Elle dit, vas-y, va jouer, espèce de batteur. Oh bah oui, on est comme ça dans le jeu. Alors, c'est vrai que mon portable lag un peu, c'est un peu dommage. Parce que l'enregistre, d'habitude, il fait pas ça. Un peu normal, alors, téléphone, hein, c'est à guerre, console, PC et tout. Voilà. En fait, c'est plus console PC versus mobile. Voilà. Et versus King aussi. Donc, voilà, la présentation de ce jeu, on va y aller. Alors, durant les différents niveaux que nous allons aborder, nous allons directement aller sur cette structure, le Nitro Lab, pour pouvoir débloquer des objets que nous allons utiliser. Par exemple, si je veux, par exemple, la Nitro Sérum, je vais devoir le glisser. Et après, ça va consommer des items que j'aurai récoltés dans les niveaux. Bon, c'est pas là le moment qu'on va parler, parce qu'on va, là, on doit les attendre. Alors, nous allons faire un niveau. Alors, nous allons voir ce qu'il y a comme niveau. Alors, là-haut, nous avons, les cristaux. Alors, le côté, je vois pas les, comme dans mon, les diamants et les cristaux. Je parie, c'est des trucs à acheter qu'on verra dans le futur, comme c'est une version alpha du jeu. Et là, nous avons le niveau de Crash de la puissance. Alors, nous allons voir également, alors, on va crocheter à la droite, parce que c'est le niveau 2. Et nous allons tenter de voir, pour tuer un monstre, un mutant. Ça ressemble un peu comme les monstres qu'il y avait dans Crash of the Titans et Crash Mode Over Mutant, les deux derniers jeux Crash qui étaient faits par Seria en 2007-2008. Et voilà, le jeu va se présenter comme le jeu Subway Run ou un truc comme ça. Alors je sais pas, je vais donner le nom du jeu. En compte, c'est on a trois chemins sur le, comme vous pouvez constater sur l'écran. Et on doit orienter Crash de gauche à droite et au milieu pour éviter les obstacles. On doit devoir glisser un peu comme on appuie sur la touche rond pour Crash dans les jeux PlayStation. Et croix, bien sûr, pour le faire sauter, bien sûr, et attaquer avec le carré. Mais en fait, on doit faire glisser vers le haut, glisser vers le bas et tapoter pour faire les actions adéquates. Nous allons démarrer et le crashy. Et voilà, nous allons voir ce que ça donne. Alors, je vais devoir anticiper un petit peu en avance parce que mon téléphone ralenti, je vais devoir sauter, voilà, c'est bon, j'avais pas vu, d'accord, je vais peut-être augmenter le niveau de luminosité, ok, même pas, je vois même pas, non, mais là, il y a le soleil qui est juste là, excusez-moi, veuillez avec moi, c'est pas top, c'est ça le gameplay en extérieur, ah, c'est pas la première fois qu'on fait, enfin si, la dernière fois j'avais fait un truc, une vidéo comme ça, c'était le lever du soleil, c'était extrêmement violent. Allez, on prépare. Voilà, je pense qu'il y a un temps de réaction avec mon téléphone du fait que j'enregistre. Donc, je vais devoir anticiper. Voilà, c'est nickel. C'est nickel, c'est géré. Voilà, c'est à peu près comme ça que le niveau se déroule. Ouais, c'est pas... Ouh,
Qu'est-ce qui... Le niveau n'arrivait plus à comprendre ce que je voulais dire. En plus, surtout, je vois pas grand-chose. Je vais essayer de voir comme ça. Ouais. C'est pas simple de jouer. Non, en fait, j'essaie de faire un gameplay qu'on a, mais vous connaissez, bien sûr, les chers amis. Je suis d'une lenteur, mais d'une complexitude infinie. On va voir si je suis assez bon. Mais, hein, et hors caméra et tout, à chaque fois que je fais des trucs hors caméra, j'y arrive, mais là, laisse tomber encore. Ah, bien sûr, là, c'était le seul obstacle qu'il fallait s'échapper, c'était bien sûr pour sauter sur le champi. Bien sûr, on a la campagne à côté, mais je vis pas en campagne. Voilà, quoi. Alors, la tortue, de, bien sûr, avec la scie circulaire, c'était une référence à Crash Bandicoot 2. Moi, j'aurais pu avoir la tortue de gauche. Item, voilà, on va voir les items, on va voir. Est-ce qu'il y a un Aku-Aku? Des fois, on a des Aku-Aku qui peuvent apparaître. Je vais tenter de voir si on peut avoir un Aku-Aku. On va détruire le Nitro, d'accord, c'est nickel, le Nitro, ici, ok. Ah, checkpoint, ok, c'est bon, on va voir le checkpoint, si on se rate sur la gueule sur un checkpoint, là on va glisser vers le bas, nickel, à droite, et on va sauter, glisser, voilà. Voilà, ça se présente comme un jeu comme ça, avec une difficulté qui s'accentue du fur et à mesure du niveau, j'aurais dû glisser, en plus il y avait Aku-Aku. Aku-Aku, c'est lui, le marsupi, l'ami. Moi, c'est pas ça la chanson, c'est pas grave. Non, Flo disait mon protection team, c'est pas pareil. Ah, si, on peut glisser vers le dessous, ok. J'ai eu peur, je me disais, mince, on peut pas faire du double comme ça. Si, on peut. Non, ah, moi j'ai raté, j'ai fait le con. Ah, bah ça arrive. On continue. Ah non, j'ai fait 199 Wumpa, on va les garder. Alors, heureusement qu'il y avait le checkpoint parce qu'on est revenu au checkpoint, c'est comme ça que ça se présente. Bon, c'est bien, on a vie infinie. Je suis mauvais, mon avis infinie. Voilà, les t-shirts Commodore, j'aimerais bien avoir cette console-là. Enfin, micro-ordinateur, Commodore 64. Mais ça n'a rien à voir. Alors, je voulais pas prendre la... Mais non, le jeu, mais tu fais exprès, mais crash, tu vois qu'il y a un obstacle sur ta gueule, tu vas pas aller apprendre. Mais non, mais il fait exprès le crashy. Non. C'est Crash ou Bandicoot. Ah oui, d'accord, j'ai trop anticipé, enfin quoi que le jeu, il veut pas, quoi. En fait, c'est la Xbox du jeu qui... Enfin, la Xbox, bien sûr, à chaque fois, je me confonds ça. Qui se relève un peu trop tôt, c'est vraiment dommage. Allez, on va essayer de revoir le Aku-Aku. Allez, vas-y, le Aku-Aku est là. Vas-y, c'est nickel. Voilà, on a le Aku-Aku. Comment ça, il est mort? Comment ça, j'ai plus d'un coucou? Mince, je suis perdu. Ah si, il est là, je voyais pas. Là, je me disais, merde, putain, le Aku-Aku et tout, il est mort et tout. Alors, si vous voulez le lien du jeu, bah, il est dans la description, bien sûr, hein, ne vous inquiétez pas. Je sais même pas. Vas-y. En fait, comme je bouge pas, il y a des pierres qui arrivent et tout. Attendez. La nature s'invite. Ça va, Piu-Piu? Oh, je les appelle Piu-Piu, moi, mes trucs. Ne vous inquiétez pas, ils sont gentils. Non, mais j'ai dit à gauche, pas taper. Non, mais en fait, le problème avec un tactile, c'est qu'on va voir le défaut. C'est que le jeu reconnaît pas bien les mouvements. On est en alpha, c'est un peu normal. Allez, on va voir ce que ça donne. En fait, je pense qu'il faut quand même insister sur les mouvements du jeu. Sur les mouvements qu'on doit effectuer. D'accord, il y a le monstre qui est là, d'accord. On est sur la dernière pente. C'est bon, on est sur la dernière pente. Allez, vas-y. On peut tenter de voir ce que ça donne. On va tenter de voir. Il y a le coquille qui s'invite. C'est parti. Alors, il y a une boule de pu là qui arrive là. Ouh là là, il est gros celui-là. Hop, on a franchi. Voilà, bah c'est. En fait, tout le niveau se résume à ça. En fait, on doit parcourir le niveau. Alors, et à la fin, je fais toujours de la merde. Voilà, bon. J'ai jamais réussi à le mettre au centre, c'est trop rapide comme vous pouvez le constater, c'est pas une question de ralentissement pour le téléphone, c'est sa tâche, toujours été rapide, et on a une gemme, voilà. Alors dans la logique Crash Bandicoot, les gemmes, c'est quand t'as toutes les caisses. Non mais là, non. Alors, Nitro Lab, on a atteint le Nitro Lab de... Qu'est-ce que ça? 290? Non? Ah, Nitro Crab, j'ai compris Nitro Lab, non, si j'arrive pas à lire avec le téléphone. Voilà, on a récupéré nos deux petites... fiole qu'on avait. Alors on va tenter de voir si on peut faire. Ah bah non, on peut pas ni faire ça. Bon bah on va refaire du Nitro Lab.
Ah bah d'accord, j'ai même pas assez d'ingrédients, donc on va voir ce que ça donne. Alors, et pour débloquer The Lost City, bah, on va tenter de faire un dernier niveau, on va tenter de débloquer The Lost City. Voilà, ce serait bien de faire The Lost City. Turtlewood Collection Run. Voilà. Warping. Bah, franchement, les graphiques, pour un téléphone portable, j'ai déjà connu les Crash Bandicoot sur téléphone portable, ils étaient tous en 2D, sauf 2-3. Il y avait un Crash Team Racing, non, Crash Tag Team Racing qui était en 3D. Et un Crash Tanzanity 3D aussi. Sur mobile, c'était en Java, je l'ai sur mon ancien téléphone, que vous avez pu voir il y a très longtemps sur ma collection de Crash Bandicoot en 2015. Voilà, et là, je vais voir. Ah oui, d'accord, je vais voir les ingrédients spéciaux pour. Pourquoi ils arrivent que là, les ingrédients spéciaux? Ils n'auraient pas pu venir avant, les ingrédients spéciaux? Non, je veux. Hop, bah, il n'y a plus d'ingrédients. Ah, si, ils sont là. Ok, on va. Ah là, je maîtrise un peu mieux, là. C'est toujours. C'est marrant, là. En fait, ce type de niveau devient bien plus diversifié. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chemins à prendre dans certains niveaux. Ok, je peux aller là-haut. En fait, le problème. En fait, dès que vous rencontrez un obstacle, vous vous cassez la gueule. Bon, je vais devoir continuer. Bon, ça va, on est dans les temps. Même en faisant le Imago, on est dans les temps. Voilà, on remonte. Okay. Non, mais c'est un jeu. En fait, j'ai partagé ça durant des conversations Discord. Ils ont dit ouais, King, c'est nul et tout. Alors. Il faut pas mélanger le torchon et les serviettes. C'est l'expression que je vais employer sur cet épisode. Mais voilà. On a King, d'accord. Alors c'est comme moi avec Activision, je me disais Crash avec Activision, ça va pas le faire. Mais ils ont fait quelque chose de propre. Là ils ont. J'ai pas été Non mais j'ai tapé dessus voilà. Et là, on se retrouve avec King. Alors moi, avec Activision, je me disais, mince, Activision, mince, ça va pas et tout, ça ira pas, moi j'aime pas. Et, ah oui, bon, bah, bien sûr. Mais là, je disais, Activision, bah, ok, bah, ils ont fait Spyro, ils ont fait Crash, ils ont fait deux Crash et un Spyro, franchement, excellent. Je me dis, pourquoi pas King? Alors, pour l'instant, c'est un jeu mobile. Alors, c'est pas le premier jeu mobile, de Crash Bandicoot, il y en a une quinzaine qui sont sortis en tout durant la licence Crash, les premiers ils sont sortis 2005-2006. Il y a même Crash Boom Bang sur mobile, tu vois, meilleur que sur DS bien sûr, c'est possible. Ah oui, si vous connaissez Crash Bandicoot, la version DS de Crash Boom Bang est beaucoup mieux. Alors j'ai déjà joué avec ma sœur le Crash Boom Bang sur Java Mobile, il est excellent, ah, moi je trouve qu'il est bien. Par rapport à Crash Boom Bang sur DS, qui était noté à 6 sur 20 sur Kid Paddle Magazine. Je me disais, mince, quand même. Je sais plus c'est qui l'avait fait celui-là. Non, c'était Seria qui avait fait Crash Boom Bang. Voilà, nous avançons tout de suite à de nouvelles aventures. Là, si je saute pas comme il faut, c'est nickel. Alors j'ai peur de recevoir des messages sur mon téléphone à ce moment-là parce que ça peut s'afficher en plein milieu de mon écran. Et alors soit je continue. Alors c'est bien, on peut continuer, risquer à se continuer. En fait c'est des ponts, des niveaux. En fait plus tu joues et plus tu peux avoir de niveaux diversifiés comme ça avec plusieurs chemins à prendre. Parce que le premier niveau il est toujours Argo, fais gaffe. Il est sur mon épaule là. Je suis obligé de sortir, j'ai pas les 10 gemmes. Ah, mais c'est intéressant, ça fait penser un petit peu à la Crash Bandicoot. Quand tu devais, par exemple, si tu pouvais pas prendre de t'avais pas de gemmes colorées, t'étais obligé de, comment c'est dire, de prendre le chemin normal, de pas récupérer la deuxième gemme. Des fois, la deuxième gemme te permettait d'avoir, comment c'est dire, la gemme principale. Alors, les différentes gemmes, alors la pire que j'ai donné mon expérience Crash Bandicoot, la pire gemme que vous pouvez récolter, c'est Colbert Crash, le niveau 18 de Crash Bandicoot 2. Que ce soit l'officiel, le remaster d'Activision, c'est une cacatitude, c'est horrible Colbert Crash. Franchement, si vous avez la gemme dessus, ça vous avez vraiment du cul, en parlant poliment. Donc voilà, vous pouvez constater que le chemin de gauche s'est regroupé sur le chemin où je suis. Donc on est vraiment sur la fin normalement du niveau. Alors on va essayer d'aller faire la fin du niveau et voir et tenter de débloquer The Lost City. Et franchement, The Lost City... Non, mais pourquoi tu me fais ça le jeu? Je t'ai pas dit d'aller à droite.
S'il vous plaît, les amis. Tu bronzes. D'accord, il est mieux ou pas, il est à l'ombre. C'est bon. Parce que j'en ai un deuxième, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et au début, il m'a fait un petit fail. Il a sauté de la table. Et ça va, quoi. Alors, c'est continu. Alors, c'est bien, mon téléphone, il ralentit plus comme autant, mais bon. C'est le mystère de l'univers. Non, on va retourner à la zone. Hein. On va à la zone. Alors, on va plus récupérer les Wumpa. De toute façon, on a besoin de Wumpa pour faire des petits items. Là, on a des ingrédients un peu partout, c'est ça qui est bien. Et hop là, le Crashy avec ses petites, son petit mouvement. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas la danse officielle de Crash, un peu comme le premier Crash Bandicoot. Ça se remonte. Alors, qualité graphique du jeu, on est excellent sur un téléphone mobile. Donc, voilà. Alors, actuellement, il est sorti uniquement en Malaisie. Alors, pour ceux qui ne savent pas la Malaisie, c'est à côté de l'Indonésie. Sauf pas que l'Indonésie, c'est au nord de l'Australie. Ceux qui ne savent pas au nord d'Australie, franchement, je pense pas que vous leur donnez à l'école. Hein. C'est au sud du Japon, mais largement au sud du Japon. Et au sud de la Chine, au sud des Philippines, au sud de Taïwan. La Malaisie, à côté de... Ouais, bah c'est bon, je vais pas vous faire une leçon de géographie, il y a Wikipédia, Google Maps et tout. Donc, alors, on va regarder ce qu'il y a dans les ingrédients. On va voir si on peut faire le nitro-bombe. Oui, on peut faire le nitro-bombe, est-ce qu'on peut faire un deuxième? Oui, on peut faire un deuxième, c'est ça qui vient. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on a The Lost City? On n'a même pas The Lost City, mais non, mais le jeu, il se fout de ma gueule. T'es obligé, à mon avis, je te... Ah, d'accord, ok, on va tenter un gros boss, et je pense que ça va être le dernier. Non, mais c'est dommage, j'aurais bien voulu faire The Lost City. Moi, j'adore la musique de The Lost City, le premier niveau, et tout. Franchement, c'est vraiment pas mal, moi. C'est quoi, ça? C'était quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait... Ah, mais c'est des sortes de fruits. D'accord. En fait, il y a un nouvel item sur le jeu. D'accord, ok. Ok. Tu m'apprends des trucs. Alors, Akuaku, c'est lui, mon protège intime. Voilà, Alors, je sais pas si on peut voir un double Akuaku. Ça aurait été bien, ça. Ah, merde. Ça, je descends, je suis obligé. J'ai pas ce qu'il faut. Ah, c'est bon. Oui, non, c'est pas bon. Ah, d'accord, ça détruit jusqu'au... Ah, d'accord, ok, ça va bien. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, dites-le dans les commentaires, moi je dis que moi, c'est... franchement, on disait King, même moi, quand Cortec m'a dit, ouais, King, c'est Crash Bandicoot, ils vont faire un King. Non, il avait posé quoi comme question? Il m'avait dit, c'était quoi, je sais plus c'était quoi comme question, je vais la rafficher à l'écran. Il m'avait dit c'était un jeu par King ou un jeu par Activision, je sais plus. Non, je sais plus. Je le rafficher pas sur l'écran parce que je sais pas ce qu'il m'avait dit. Je me disais King ça aurait été le pire. Mais en fait j'ai encore comment s'y dire en fait je suis encore déçu encore de ma réponse. Parce que franchement, il est pas dégueu. Je pense que King, c'est un beau choix ce qu'ils ont fait Activision, je pense. Non, je ne devrais pas faire ça, moi je dois gaspiller mes munitions. Voilà. Et je pense qu'on va peut-être faire un peu comme ma série sur ma chaîne, bien sûr, comme je fais d'habitude. Et faire une petite intro des familles. Alors là, comme je fais cette vidéo pour deux chaînes en même temps. Donc voilà, on va le faire. Donc c'est parti. Bien sûr, le lien APK est dans la description, bien sûr. Si vous voulez, par contre, là où je devais l'avoir, il fallait effectivement. Par contre, je sais pas comment le... Ah, d'accord, faut buter comme ça. Ah, d'accord. Ah, ok. Alors, il faut récolter les fruits et s'arranger pour que le Scorpilla qui... Alors, on va tenter de le... Ah oui, d'accord, ok. En fait, c'est en trois coups. Ah ouais, on est carrément sur un boss. Ah, merde, j'aurais pu l'avoir. Je l'ai touché, merde. On va y arriver, les amis. Allez, vas-y, fais voir le Scorpion, là, s'il te plaît. Ah, ne me dis pas qu'on doit recommencer. Ah, c'est bon. Non, là, on commence à être sur l'extrême limite du jeu. Bah, je vais peut-être faire la l'intro ici, peut-être. Bah, franchement, les musiques, bon, ça rappelle bien les niveaux du crash d'antan. Je me prends le premier truc, putain. Non, sérieux. On continue. Turtlewood. Voilà. Non mais c'est bien, c'est...
Alors, malheureusement, il faut avoir un téléphone assez puissant parce que là, vous avez pu voir que l'enregistrement et mon téléphone, pourtant, là, il date pas de longtemps. Mon téléphone est juste de l'année dernière. Hein. C'est pas une merde. Hein. C'est pas un pro, c'est pas un téléphone pro d'une marque quelconque. Mais voilà, je fais pas ce qu'il faut. Ah, mais si, j'ai fait ce qu'il faut. En fait, je sais pas, je vois pas très bien. Je vais taper comme ça au hasard. Je vais toucher, même pas, ça va y arriver, ça va. Non, mais j'ai dit de tourner à gauche, putain, l'enculé de jeu. Ah, mais non, là, le jeu. Si vous avez des ralentissements dans votre jeu, mais non, mais le jeu, il a fait exprès. Putain, j'étais à la fin, il me restait qu'une barre de vie. Le jeu, il a dit, ah, maintenant, tu vas tourner. Pas là à gauche. En fait, le jeu, c'est ça qui est embêtant. Voilà, c'est juste les contrôles qui sont embêtants. Voilà, c'est juste les contrôles. Ça aurait été bien peut-être de configurer ça ou de configurer ça avec une manette, un truc comme ça. Mais là, non, c'est pas trop le top quand tu as un téléphone qui est pas au top de sa forme. Et vous avez pu voir, je pense que vous pouvez voir les mouvements avec le petit rond blanc sur mon écran de téléphone. Et en plus, je commence à être extrêmement dans l'extrême limite de la vidéo. Voilà. Allez, alors on va voir si j'ai touché le scorpion là. Non, mais je dis à droite. Mais non, mais arrête de... En fait, je vais spammer à chaque fois tous les trucs. À chaque fois que j'ai un flou, je vais spammer. Voilà, quoi, histoire de bien... Ah, ça touche à côté. Je sais même pas si ça le touche. Coucou, maman. Ah non, c'est Lisa. Coucou. Et voilà, il fallait j'ai été interrompu. Voilà, je sais même pas ce qui s'est passé. J'ai reçu une gemme. Ah, donc la dernière gemme, c'est pour débloquer The Lost City. Allez, on vérifie à quoi ça ressemble The Lost City vite fait. Voilà, c'est à peu près comme ça. Alors, il faut débloquer toutes les 10 à 5 gemmes. Il faut débloquer bien sûr de différents niveaux et tout. Alors, est-ce qu'on peut voir The Lost City, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut voir The Lost City? Paper Minecraft Building. Ah oui, c'est vrai qu'il y a plein de niveaux. Fais-moi voir. Wimpy Island. Ah non, mais j'aurais tellement voulu The Lost City, s'il vous plaît, les amis. Attends, est-ce qu'on peut faire ça? Non. Ah, j'ai plus rien. J'ai plus rien, il faut fermer le jeu. C'est pas grave, tant pis. C'est vraiment dommage, je peux pas me... Bon, ok, là, c'est terminé. On va passer à l'Untro. Voilà, on est à l'Untro, encore en plein soleil de la vidéo. Alors, le jeu Crash se présente assez bien, ça a été fait par King. Je pensais que King serait peut-être fait gâcher ou un truc, parce que c'est un jeu mobile, tout le monde connaît les jeux mobiles, publicité, achat intégré et tout. C'est vraiment embêtant. Là, on n'a pas les achats intégrés, on est en version alpha pour l'instant. Ce qui est déjà pas mal. Alors les sons, les graphiques et tout, ils sont déjà très bien. Le gameplay est similaire à le jeu Subway machin que l'on connaît déjà, donc c'est une recette déjà qui gagne quand même. Alors King, Crash Bandicoot, Activision. Alors d'ailleurs Activision n'a pas été crédité dessus pour l'instant, j'ai pas vu Activision nulle part, j'ai vu que directement King. Pourtant Activision est propriétaire de Crash depuis 2008-2009. Donc voilà. Donc le jeu se présente assez bien, il y a un peu de latence des fois quand vous avez pu voir l'enregistrement. Alors c'était l'enregistrement bien sûr. Excuse des magots. Donc c'est vrai que là franchement après le jeu a du mal à reconnaître si tu... En fait tu tapes une fois sur l'écran, ça te fait une attaque tournante. Et si tu dois glisser vers la droite ou vers la gauche, Crash va vers la droite et vers la gauche. Et si tu glisses vers le haut, Crash saute. Il y a un petit problème de reconnaissance. Après c'est un jeu mobile, c'est sur tactile, voyons. Donc on va pas s'attarder dessus quoi. Alors le jeu est très bien, la musique sont très bien, on a un bon gameplay. Ça va, je peux dire oui. Je peux vous recommander si vous voulez tester. Si vous voulez le lien du jeu, il est dans les commentaires. Si vous voulez vous abonner, le lien est juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez vous abonner, bien sûr, il est dans la vidéo. Likez sous la vidéo, commentaire sous la vidéo si ça vous a plu. Si vous voulez d'autres suggestions de jeu, bien sûr, à la Imago. Je vous dis très bientôt. Voilà, je peux recommander le jeu. Si vous voulez le lien, les deux applications sont dans la description parce qu'il faut APK Pure pour pouvoir télécharger le Crash, pour lire le fichier du Crash
Et bien sûr, malheureusement, il faut bien sûr dire à son téléphone d'ouvrir avec des sources inconnues. Je l'ai fait avec mon téléphone, il n'y a pas de souci, j'ai eu peur au début. Je peux vous rassurer, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Emago. Si vous voulez d'autres futures vidéos, voilà. Ne vous inquiétez pas, commentaires et tout. Voilà, et abonnez-vous à Café Gaming. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Emago. Bye.